Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la saison 2024 de Formule 1 avec cette première course à Bahreïn. Si vous aviez adoré la saison 2023, je pense que cette année vous allez surkiffer puisque en fait pas grand-chose a changé. Du coup, je vais être assez bref au niveau du débriefing, mais je pense qu'il n'y a pas besoin de passer 3 heures. On va faire ça un peu équipe par équipe, bien entendu. Donc après les essais libres qu'on avait vus intersaison, on se doutait bien que Red Bull avait quand même, d'une certaine manière, sans forcément cacher son jeu, laissé de la marge. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que Red Bull, un concept qui en plus d'être nouveau, fonctionne aussi bien que l'ancien, il suffit de voir le nombre de copies des autres équipes et l'écart à la fin pour s'en rendre compte. Du coup, ben, la première course de Red Bull, c'est génial. Incroyable, doublé. Alors ça partait pas forcément bien hein, pour Perez qui avait fait une mauvaise qualification en partant 5e. Petit point positif, évidemment, c'était les écarts en qualification qui sont de plus en plus réduits. Ça c'est génial. Parce que même si on compte la dernière équipe dont on parlera tout à l'heure en qualification, on n'avait pas énormément d'écarts. Hein. Bon, certes, c'est pas le circuit qui est le plus long du championnat, etc. Mais quand même. Et c'est là où justement bah, le Pérez, qui certes a une bonne voiture comme Verstappen, et bah, ses petits dixièmes en trop, là, ne le place plus deuxième. Ça passe instantanément à... Oups, je crois que c'était P5. Donc, il a fallu remonter tout ça. Ce que le pilote mexicain a réussi à faire de manière bah, très bien. En vrai, franchement, il a fait une bonne course, hein, si on part du postulat qu'il est parti un peu derrière son coéquipier, quoi. Donc il finit avec une vingtaine de secondes de retard. Mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai préféré sa course à celle de Verstappen, parce que Verstappen étant parti en tête, resté en tête, fini en tête, bah, je ne sais pas si on peut noter un mec qui est en tête début jusqu'à la fin, comparé à quelqu'un qui a dû faire des dépassements. Donc la course de Verstappen, rien à dire, parfait du début jusqu'à la fin, donc c'est un 10 quoi on va dire. Mais en termes de... En termes de travail à accomplir là-dessus, je pense que Perez a été quand même un peu plus et beaucoup plus de choses à faire que lui. Et un truc, chose incroyable encore une fois, en plus d'être rapide, on rappelle qu'il y a 3-4 secondes au bout de quelques tours, pour Verstappen, bah, la dégradation, ils en ont pas. Ils n'ont pas de dégradation chez. Ils n'ont pas de dégradation chez Red Bull, c'est un truc de fou. Verstappen, il a pu aligner je sais pas combien de tours, enfin je m'en souviens plus trop exactement, mais une vingtaine de tours, sans s'arrêter. Tout ça en continuant à être hyper rapide par rapport à ceux qui avaient changé leur gomme. 2024, hein, on s'en doutait, bah, on a la confirmation, Red Bull va éclater la concurrence. On va passer chez Ferrari. Ferrari donc qui était considéré comme l'outsider de Red Bull, hein, parce que Mercedes on savait pas trop encore. Et donc pour ce Grand Prix, moi ce qui m'a assez marqué honnêtement, c'est la différence d'usure entre leur pneu tendre et leur pneu médium. En tendre, c'était une catastrophe. Les deux Ferrari ont vraiment eu du mal, alors Russell en a bien profité du coup. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont passés en pneu dur, l'équation s'est inversée, et les Ferrari du coup se sont retrouvés largement devant les Mercedes, ont commencé à rattraper leur retard, et finalement les Ferrari finissent largement devant les Mercedes. Mais il y a un petit mais, on va le voir quand on va parler de Mercedes après. Ce n'est pas forcément, enfin on ne sait pas trop, mais ce n'est pas forcément acquis, le fait d'être, on va dire, largement devant Mercedes, parce que Mercedes aurait expliqué un petit peu pourquoi les deux voitures étaient moins rapides que prévu. Attention, on en parle juste après. Concernant les deux coéquipiers, Leclerc et Sainz, alors Sainz, on sent que là, cette saison, ça y est, hein. Il sait qu'il est plus chez Ferrari, il va vendre cher sa peau pour avoir le meilleur baquet l'année prochaine. Et on sent que là, les consignes d'équipe, le fait que Leclerc soit P1, lui P2, même si c'est pas écrit, hein, ça n'a jamais été dit, il n'a pas envie. Hein. Alors je pense que là, Sainz, il va pas se laisser faire, il n'aura rien à péter, je pense, des stratégies de Ferrari toute l'année. Ce sera pour sa gueule, et c'est tout. Et en attendant, bah, il a fait un très beau dépassement en début de course. C'était une bonne course pour Sainz, en vrai, très bonne course à lui. Et je trouve que ça fait partie peut-être des pilotes qui auraient le mérite d'avoir le pilote du jour, hein, tout simplement. Et Leclerc, bah, en difficulté avec ses freins, donc Vasseur explique qu'effectivement il y avait des problèmes de freins.
On l'a vu sortir plusieurs fois dans le virage lent au milieu du circuit. Je n'ai pas le nom du virage d'ailleurs. Mais ça a été quand même une course assez compliquée hein, pour le Français. Il s'est rattrapé sur la fin. La fin, ça allait beaucoup mieux. Mais alors au début, c'était catastrophique pour le pilote monégasque. Donc Ferrari, finalement, est-ce que c'est une déception de début de saison? On peut pas trop juger encore. C'est la première course. Je pense qu'on pourra commencer vraiment à juger ça d'ici 3. Au bout de la troisième, quatrième course, on pourra dire, bon là c'est établi, ça va être mort ou pas, enfin, on verra les chances. Mais Ferrari s'est positionné qu'en P2 pour le moment, et c'est déjà au moins le minimum qu'ils avaient à faire, puisqu'ils sont devant Mercedes. Et on passe du coup à Mercedes, qui eux, de leur côté, bah, on avait vu des bons essais libres 2. Alors l'essai libre 2, Hamilton a expliqué qu'il était très surpris, que potentiellement ça reflétait pas grand chose, et effectivement ça a été le cas, puisqu'en qualification, alors certes Russell a fait une performance assez correcte en qualification, et plutôt bonne, Hamilton beaucoup plus loin, et du coup bah, ça a un peu rendu leur course totalement différente. Russell course d'attaque au début, il arrive à maintenir sa deuxième position, après les Mercedes quand elles ont passé en dur, inexistantes. Leur rythme s'est complètement effondré, donc je vous disais l'inverse de Ferrari, et pour le coup, bah, ils se sont retrouvés derrière à la fin. Ça se voit, ça là, derrière à la fin. Mais apparemment, les équipes équipées de moteurs Mercedes, alors je n'ai pas vu le cas chez Aston Martin, enfin, en tout cas ils n'ont pas parlé à Aston Martin, on verra s'ils en parlent plus tard, à l'heure de la vidéo, on est le lendemain. Hein. Mais apparemment, il y aurait eu des problèmes de surchauffe pour le Mercedes, qui fait que le rythme avait dû être abaissé pour les monoplaces équipées. Et effectivement, alors moi je l'ai vu en course surtout sur l'écran du volant d'Albon, qui était en boucle avec affiché body too hot. Alors je me dis body, est-ce que c'est concerne vraiment le moteur? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est juste le fond plat? J'en sais rien. Et apparemment c'était aussi le cas pour les Mercedes. Donc je pense que c'est pas forcément une mauvaise excuse. Je pense que c'est vrai en fait hein, ce qu'ils disent, hein, je vois pas. Enfin moi j'ai une preuve en tout cas visuelle qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et je pensais pas que ça touchait aussi Mercedes. Par contre chez Aston Martin on sait pas. Donc si on prend du constat que bon effectivement ils ont perdu des quelques dixièmes parce qu'ils ont dû réduire la puissance moteur pour finir la course. Dans le cas où c'est exactement vrai. Mercedes n'est pas fini, loin de là. Je pense qu'ils vont être au niveau des Ferrari, ça c'est pas un problème. Par contre, le rythme entre les deux gommes, pareil, comme Ferrari, à mon avis, ils ont intérêt à régler ça rapidement. Sinon, ça va être très compliqué pour aller chercher les Red Bull. Parce que pour l'instant, les Red Bull, je pense qu'ils sont inatteignables pour les deux. En tout cas, au stade de la première. Donc voilà pour les Mercedes. Hamilton a réussi bon, à dépasser Alonso, mais bon, c'était vraiment pour des positions mineures, donc ça va pas. C'était pas fou non plus. On passe du coup à McLaren. Alors, ben McLaren, course correcte. Hein, franchement, ils finissent panachés avec les deux Mercedes. Bon, c'était une course moyenne. Hein. Ils avaient prévenu, début de saison, ça va faire comme l'année dernière, on n'est pas au top. La seule différence, c'est que par rapport à l'année dernière, ben, ils finissent 8e et 6e. Ils marquent énormément de points par rapport au début de saison l'année dernière, où ils étaient à zéro. Donc, si leur début de saison. Et comme l'année dernière, enfin on va dire plus bas, et que leur fin de saison est vraiment meilleure, en partant avec déjà beaucoup de points, ça peut être un concurrent pour la deuxième place. Mais pour le moment, on attend de voir les améliorations sur la McLaren. Bon, les deux pilotes, j'ai rien à dire, hein, ils ont fait une course normale, assez solide. On les a moyennement vus, parce qu'il y a quand même les dépassements plutôt entre Ferrari et les luttes avec Mercedes, mais c'était une bonne course pour eux. On passe du coup à Aston Martin, donc l'autre équipe équipée du moteur Mercedes, dont on n'a pas trop entendu parler par rapport à la chauffe, donc peut-être qu'eux ils avaient un refroidissement mieux, on ne sait pas, on ne sait pas du tout. Par contre, je pense qu'Alonso, déjà, dès la première course, on n'en parle pas forcément, mais je pense qu'Alonso il est déjà parti là. Il est déjà parti, simplement parce que bah, Alonso ce qu'il veut c'est une voiture qui soit au moins aussi rapide que l'année dernière. Et ce premier Grand Prix, on se souvient l'année dernière on parlait de podium. Là, on parle de 9e place finale. Même son coéquipier Stroll, qui partait à l'autre bout avec son accident au premier virage, a réussi à remonter, se retrouver devant lui et à finir juste derrière lui. Enfin, juste derrière lui. Plusieurs secondes quand même, parce qu'il y avait un décalage au niveau de la stratégie. Mais il finit juste derrière. Et là, Alonso, il a été transparent du début jusqu'à la fin du Grand Prix.
Alors transparent parce que bah il n'a pas été forcément dans les batailles, hein. Pas forcément qu'il a été mauvais, mais je pense qu'Alonso là il est en mode ok. Donc la bagnole si elle évolue pas, je pense que vous me voyez plus. Enfin on verra. Mais en tout cas pour la première course ça donne pas envie, je pense à l'espagnol. Et pour Stroll, bah mine de rien, bonne remontée après son accident au départ. Alors peut-être que ça lui a permis de décaler un peu sa stratégie, je sais pas à voir. Mais bonne course du Canadien en tout cas, bon début et un petit point du coup pour lui. C'est la dernière équipe à marquer des points d'ailleurs. Ils prennent la 9e place et la 10e place. Donc ça se passe plutôt bien. Mais on sent que la Aston Martin, si elle a un bon rythme potentiellement en qualification, en course, ça avait l'air assez moyen. Franchement, ça avait l'air assez moyen. Ensuite, ah, on passe à Alpine. Alors Alpine, il y aura tellement de choses à dire. Bon, c'est une course à oublier, vous l'avez compris, quand on a vu la qualification, on s'est dit, bon, bah, effectivement, s'il y a bien une chose sur laquelle ils avaient raison, ils ont la moins bonne voiture de la saison. Ils sont pris une seconde 2, une seconde 4, je crois. Et les deux pilotes, dernier avant-dernier. Heureusement qu'il y a Sargeant pour faire des conneries ou se louper, qui permet de ne pas faire venir les deux derniers. D'ailleurs, ils ne finissent pas derniers, hein, puisque c'est Sargeant qui finit 20e. Aucun abandon, hein, déclaré pendant cette course. Mais pour Alpine, alors, il y a deux mauvaises nouvelles pour Alpine. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils sont nuls, enfin qu'ils sont nuls, qu'ils sont lents surtout, que leur voiture est trop lourde, que leur moteur est pas assez puissant, qu'ils peuvent pas corriger le moteur parce que bah on peut plus toucher au moteur malheureusement, donc je pense que ça, ils vont en bouffer jusqu'en 2026, et je trouve ça pas super fair honnêtement, même l'année dernière on en parlait du déficit de puissance du moteur Renault. Franchement, je suis pas toujours d'accord pour donner des points supplémentaires à des équipes pour qu'elles rattrapent, parce que je pense que c'est quand même le boulot de chaque équipe de faire au mieux et c'est pas trop un problème. Et là quand même, je pense qu'il faudrait quand même donner un petit peu d'aide à Alpine, en tout cas au niveau de son moteur. Par contre, au niveau du châssis, bah, elle est trop lourde. Ils ont raclé de la peinture. Ça me rappelle le début de saison de Williams en 2022, où au fur et à mesure qu'on avançait dans les Grands Prix, il y avait de moins en moins de couleurs sur la monoplace. Entre les deux pilotes, Gasly et Ocon, bah les deux ont fait le mieux, ont fait leur mieux. Hein. Je pense qu'Ocon a été peut-être un peu plus rapide sur cette course que Gasly, en tout cas à la régulière, il s'en est mieux sorti. Par contre, deuxième mauvaise nouvelle, eh ben on a appris que y avait aussi le départ du directeur technique et du directeur aéro qui ont posé leur dème il y a quelque temps. Et du coup, on ne sait pas combien de temps ils vont rester dans l'équipe, mais autant vous dire que là, Alpine, je vois pas comment ils vont sortir de la dernière position. Qui c'est qui va sauver Alpine cette saison? Ils perdent des deux directeurs, la voiture est mauvaise. Il faut que les nouvelles personnes, s'il y a des remplaçantes, elles comprennent le concept ou qu'elles en fassent à nouveau, ça va prendre des plombes. En plus, on a le fair play financier qui fait qu'ils vont pas pouvoir utiliser tout leur argent, enfin, pas trop d'argent pour améliorer ça. Il y avait eu une lueur d'espoir parce qu'ils avaient dit pendant les essais, bon, on n'est pas bon, mais on a compris nos problèmes, on peut les corriger. L'avantage qu'ils ont, c'est que bah, si c'est du poids, si on arrive à gratter du poids, c'est des dixièmes d'un coup qui revient, et on l'a vu par rapport aux qualifications. Le moindre 2-3 dixièmes, ça fait 5 places d'écart, donc ça peut vraiment être important. Je sais pas. Honnêtement, au point où on en est là, je n'ai aucune. Enfin, je suis pas Madame Irma, mais je pense que pour Alpine, je le vois plus dans la merde que potentiellement en train de remonter. On va leur laisser 2-3 courses, mais je pense que ça va être compliqué de dépasser le stade des. La dernier, avant-dernier, et peut-être avant-avant-dernier. Donc pour Alpine, course à oublier, et je pense qu'on va encore l'oublier pendant 2-3 courses minimum. On passe chez Williams. Alors Williams, alors il va falloir détacher un peu les deux, Albon et Sargeant. Sargeant qui avait fait des bons essais, bonne qualif, il était pas trop loin de son coéquipier en vrai. Bon, il y a vraiment sur le moment critique que ça s'est détaché, et là Albon a repris le lead largement. Alors Albon a fait une bonne course au début, je pense que les pneus tendres. Pardon, s'il est pas trop mal à la Williams. Par contre, les pneus durs, après, ça a fait comme Mercedes. Ils ont commencé à perdre un petit peu de rythme. Alors, moins que Mercedes, je pense que, ben, on l'a vu sur, je disais, le volant d'Albon, s'il y a eu une perte de puissance liée à la surchauffe, c'était impossible pour eux de marquer des points. Et à un moment, ils étaient dans les points parce qu'ils ont décalé leur stratégie. Ce qui fait qu'Albon se retrouve au moins même troisième. Mais. Une fois revenus après le changement de pneus, ils ont perdu tellement de temps par rapport aux autres, au rythme de ceux qui avaient déjà, s'étaient déjà arrêtés. Et pour le coup, bah Williams finit 14e.
Donc c'est pas une bonne course pour Williams. Que ce soit stratégiquement parlant, je trouve qu'ils sont pas fous. C'est comme l'année dernière, hein, ils ont fait encore une bêtise au niveau stratégique. Mais à moduler avec le problème moteur, apparemment, de surchauffe. Donc s'ils n'ont pas ce problème-là et qu'ils le corrigent, bah peut-être que Williams, en tout cas Williams semble être une équipe de bon midfield, donc c'est-à-dire capable potentiellement de gratter des points. Ils étaient devant Sauber à ce moment-là, ils étaient devant As. Non, pas devant As, pardon. As était porté en qualification. Devant Kick Sauber, pardon. Devant les Alpines. Ça fait déjà deux voitures derrière. Et même aussi, à un moment, ils étaient au même niveau que les V-Cars. J'appelle V-Cars, mais c'est Racing Bulls. Ce qui permet de dire qu'ils vont marquer des points cette saison. Enfin, en tout cas, ça semble bien parti. Même si cette course-là est un petit peu à oublier. Donc voilà pour Williams. On passe. Ah oui, j'ai oublié, pardon, Sargeant, l'erreur en début de course. Voilà. C'est un peu ballot, hein, mais bon, là, je pense que là, par contre, il a intérêt à vite se ressaisir parce que je pense que il va sauter. Hein. Là, c'est vraiment les dernières fois où il peut faire des erreurs. À voir, deuxième course, dans une semaine, ce que ça va donner. On passe du coup à Racing Bulls. Donc, bah, moi, je suis un petit peu déçu, honnêtement, parce que la monoplace, elle semblait pas mal en essai. Alors, évidemment, les essais, ça sert à rien, on sait très bien que c'est pas ça qui. Nanana, mais quand même, elle avait un potentiel de vitesse qui me semblait assez intéressant. Par contre, en termes de en course, bah, c'est moyen, hein, c'est moyen. Hein, ils finissent même pas dans les points. Elle est au-delà du top 10 à la régulière pour le moment. Alors, c'est peut-être pas le circuit qui s'y est le mieux à la monoplace. On verra les autres courses. Tsunoda qui avait le lead sur Ricciardo du début jusqu'à la fin. Hein, meilleure qualification, meilleur début de course, etc. La stratégie qui fait qu'à la fin, Ricciardo, certes, remonte et se retrouve à. Alors, je sais pas s'il était vraiment bouchonné par Tsunoda, mais il avait l'air un peu plus rapide. Alors, la stratégie du swap, je la comprends, hein, c'est-à-dire que ils sont pas trop loin entre eux au niveau de la 10e, 11e, 12e, 13e place. Donc, si le gars derrière est plus rapide que toi, tu le laisses passer pour forcément que lui puisse attaquer devant et prendre des points. Donc, l'idée en soi me choque pas. Par contre, le fait qu'il n'ait pas rendu sa place à la fin parce que ça n'a pas marché, bon. Ouais, c'est vrai que c'est pas cool. Après, Tsunoda, je pense qu'il doit être un peu saoulé aussi. Mais il est très sanguin, Tsunoda. Donc, c'est pas forcément beaucoup de valeur, je trouve, dans lui. Et par contre, ce qu'on a vu, c'est le petit dive bomb lors du tour de fin, enfin, après l'arrivée, où Tsunoda pile juste devant. Enfin, il se retrouve à tirer tout droit devant Ricciardo. Attendez, je suis pas au bon. Putain, je me rends compte que je suis même pas sur la bonne équipe. Pardon. Qui se retrouve à piler juste devant Ricciardo. Ricciardo, il comprend pas ce qui se passe et tout. Et on lui dit, non, non, mais t'inquiète, c'est rien. Sinon, bonne course, quoi. Voilà. Mais 0 points, en tout cas, pour Vécarb sur cette course de Bahreïn. L'équipe Xbox, pardon, l'équipe Sauber, Kick. Enfin, bref, vous avez compris, celle-là, quoi. Steak, ce que vous voulez. C'était pas si mal. En vrai, ils avaient un rythme correct, la course s'est bien passée, au moins ils étaient pas loin du top 10 aussi, un peu comme Williams finalement et As. Je sais pas trop quoi dire, honnêtement, Joe a fait une bonne course, en tout cas il est un petit peu devant. Est-ce qu'ils auraient mérité les points? Bah, ça s'est joué je pense surtout à la fiabilité, 20 voitures à la fin, donc quand il n'y a pas d'abandon des fois, bah, on peut pas aller de plus loin, donc c'est un peu compliqué. J'ai pas grand chose à dire honnêtement sur Kick Sauber. C'est moins pire que prévu par rapport aux essais libres et c'est déjà une bonne nouvelle pour eux. Donc s'ils arrivent à faire progresser la voiture encore un petit peu, eh ben, les points sont jouables. Donc force à eux. Même si on attend évidemment Sauber dans quelques années. On passe à l'équipe As, donc la dernière des équipes pour l'instant, mais c'est pas la dernière en termes de temps. Alors As, c'est marrant parce que c'est exactement tous les ans c'est pareil. As début de saison, enfin tous les ans c'est pareil. On va enlever 2021 et 2022 c'était ça, 2023 c'était ça et donc 2024 c'est pareil. Très forte en qualification, hein, on l'a vu avec Hülkenberg qui était quand même vraiment fort. Il avait, je crois que s'est classé. Combien il avait fait en qualification? Attendez, je vais quand même vérifier. Il devait être 10e dans le top 10. Alors que Magnussen lui était 5 places plus loin. Et pour le coup, oh, attendez, j'ai perdu tout mon truc en même temps, magnifique. Pour le coup, en course, ça a été comme d'habitude, c'est-à-dire qu'ils se sont effondrés en rythme de course, ce qui fait qu'ils sont sortis des points et n'en manqueront pas. Et en plus, Hülkenberg s'en sort beaucoup mieux que. Il s'en sort beaucoup mieux que. Non,
Magnussen, pardon, s'en sort beaucoup mieux que Hülkenberg. Ce qui fait que bah, c'est un peu comme d'habitude, quoi. J'ai l'impression de revoir la saison 2023 pour Haas. Alors la bonne nouvelle, à la fois, c'est que si un jour, d'ici maintenant à 2060, 2080, ils arrivent à tenir leur gomme, bah ils ont une bonne voiture, en vrai, ils pourraient largement finir dans les points régulièrement. En tout cas avec ce qu'ils ont montré là. Mais pour moi, ce profil, la même saison que l'année dernière. C'est-à-dire, ok, on est au départ, et à la fin, on finit et un petit peu dans les choux, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. Voilà donc pour le petit débriefing Formule 1 entre équipes. En aparté, bon, Mercedes, de la 5e à la 10e place, il trust ces positions-là. Est-ce que vous êtes déçu de ce début de saison? Bah c'est à vous de le dire, hein, honnêtement, hein, dans les commentaires. De mon côté, je ne suis pas tellement surpris, hein, je m'attendais à ça. On va voir la course la semaine prochaine, si c'est pire ou si c'est pareil. En tout cas, si vous faites des paris sportifs, je pense que vous ne devrez pas être trop être surpris, hein, vous avez juste à parier sur le même pendant toute la saison. Par contre, derrière, c'est plus intéressant. Donc ça, c'est un petit peu un petit débat personnel, mais si vous aimez la F1 pour les batailles, bon, il y en a encore derrière, donc c'est toujours intéressant. Si vous regardez la F1 pour le premier à l'arrivée, ça va être long, hein. Ça va être long, les gars. Et j'ai peur pour les audiences, parce que là, on n'en parle pas trop. Mais en général, ce qui se passe, c'est que t'as une énorme, t'as une belle saison, tu te mets à regarder la F1 pour ça. Tu vois que la saison 2, elle est moyenne, parce qu'il y a un changement, mais tu te dis, bon, allez, il y a un changement en réglementation, ça, il faut que les autres reviennent. 2023, c'est pire. Tu dis, aïe, la claque. Bon, après, t'as un petit espoir en 2024. Mais si l'espoir de 2024, alors qu'il est censé avoir un resserrement, donc une amélioration, n'existe pas, je pense que le quidam moyen qui aime la F1, là il est déjà parti ailleurs, il va y avoir du golf. Hein. Vraiment, hein. Là la F1, l'audience, j'ai peur que ça s'effondre dans mais vraiment un point inimaginable si dans 3 semaines on a encore 2 victoires de Verstappen avec autant d'écart. Si c'est pas le cas, ça peut être sauvé. Mais cette année, ça va être compliqué à suivre pour les gens qui n'ont pas l'habitude de suivre des saisons bah, un peu plates comme on a eu en 2023. Je rappelle que 2021 était une belle anomalie, hein, des saisons de F1 comme ça, on en a tous les 5 à 6 ans, et encore. Donc voilà, force à vous. N'hésitez pas à la limite à regarder juste les replays, hein, si vraiment vous en avez marre, ça vous évitera pas trop de temps. C'est la F1 les gars, hein, on peut pas faire autrement. Allez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde. Thank you.